sommes ici pour changer les règles du jeu. Nous ne sommes pas là pour suivre les règles. Parce que la seule manière d'avoir la preuve que l'entrepreneuriat a eu un résultat, c'est que les statistiques changent. Le développement territorial que nous cherchons, il faut que l'argent circule localement. Et le pire, c'est que les Français sont des spécialistes de ça dans la recherche fondamentale. Pas sur le plan industriel, mais nos laboratoires sont parmi les meilleurs au monde en France sur les géopolymères. Et c'est la vraie découverte de l'entrepreneur, c'est de découvrir qu'est-ce que j'ai disponible. Quelque part dans le monde, si vous avez trouvé la solution à un problème, comme on est 7 milliards d'habitants sur Terre, il y a très forte chance que si vous avez trouvé une solution à vos problèmes, il y ait d'autres personnes dans le monde qui aient les mêmes problèmes. Et c'est là que l'espoir commence à exister. Si c'est possible, faites-le. Si c'est impossible, ça prend un peu plus de temps. Parlez-nous de vos problèmes. Et je vous donne la parole. Aussi autant de monde dans cette salle. Comme je disais à Gunther Pauli, il se trouve que j'ai eu la chance de le voir en conférence, en tout petit comité, il y a quelques années en Australie, à Perth. En fait, et j'étais loin de m'imaginer que je le reverrais ce soir à Sophia Antipolis en travaillant chez Schema. Donc voilà, la vie est parfois amusante et je suis persuadé qu'on va avoir vraiment généreuse, absolument. Et je suis persuadé qu'on va passer vraiment des bons moments ensemble, parce que je sais aussi qu'en parallèle, qu'il y a plein d'initiatives, d'entreprises, d'organisations sur le territoire qui travaillent efficacement, on va dire, dans toutes ces logiques d'économie bleue, d'économie circulaire, de développement durable. Alors pourquoi Schema a été accepté avec plaisir de s'associer à cet événement? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Je vais le faire quand même relativement court pour qu'on puisse passer du temps au maximum à écouter Gunther et Idriss et à passer du temps sur les projets. Mais en quelques mots. Alors d'abord, peu de monde le sait, mais Schema, ça a le statut d'association loi 1901. Donc c'est une école de commerce qui, avec un statut associatif, a réussi à se hisser parmi les meilleures écoles de commerce françaises et sur certains programmes parmi les meilleurs programmes mondiaux dans les derniers classements du Financial Times. Donc je ne dis pas ça pour mettre Schema en avant, mais c'est simplement que le modèle associatif, face à d'autres écoles qui sont financées par des fonds privés ou qui sont financées par des grands fonds publics, et ben au final, en partant d'une fusion de deux petites écoles de province il y a 10 ans, avec un modèle associatif, on a réussi à s'imposer quand même. Donc ça, c'est un premier point. Après, sur le développement durable, Schema, en fait, s'est associé au Global Compact des Nations Unies dès 2010.
Donc, c'est pas nouveau chez Schema, tout ce qui est développement durable. Travailler autour des thématiques de la RSE. En fait, entre 2010 et 2016, donc Schema a obtenu 5 labels qui sont liés à la RSE ou à la RSO d'organisations qui sont reconnues et internationales. En 2017, on a lancé Schema Ventures. Donc, Schema Ventures, c'est en fait la business unit qui promeut et qui soutient en fait toutes les créations d'entreprises, à la fois de nos alumni et de nos étudiants. Et en fait, on accorde une attention toute particulière aux projets qui ont une dimension à impact sociétal. Par exemple, pour être très concret, il y a 40 projets entrepreneuriaux qui ont été lancés cette année sur ce campus académique. Il y a quelques étudiants dans la salle, il y a au moins un étudiant dans la salle qui en a lancé un. Et sur ces 40 projets, en fait, il y en a plus de la moitié qui ont une dimension impact positif. Donc, on y accorde quand même beaucoup d'importance. L'an dernier, Schema, enfin, les étudiants et les professeurs du programme ID de Schema ont été les premiers à organiser la première COP 1 étudiante en France, donc qui a réuni 1800 étudiants et qui a débouché sur 300 projets, enfin 300 engagements. D'ailleurs, Rémi, qui est dans la salle, était une des personnes clés en fait de l'organisation de la COP 1 étudiante. Quoi d'autre ? Si on se projette un tout petit peu. En fait, le nouveau plan stratégique de Schema, donc qui s'appelle Sky 25, a été dévoilé il y a quelques mois et en fait repose sur 3 clés de voûte. Et une de ces clés de voûte, c'est devenir un acteur engagé. Devenir un acteur engagé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est engagement sociétal, en fait, va devenir une des priorités à Schema et que toutes les parties prenantes, étudiants, professeurs, chercheurs, en fait, vont avoir vocation à dépasser le statut de business school, devenir une institution qui vise à transformer le monde. Donc, on le fera à notre échelle. Voilà, ça donne un petit peu je dirais, ce que Schema a fait en matière d'engagement sociétal ces dernières années, ce qu'on vise à faire. Et puis peut-être un dernier petit mot très très rapide parce que ça me tient particulièrement à cœur. En quoi cet engagement sociétal et ce plan stratégique 2025, en quoi il se traduit concrètement la rentrée, c'est-à-dire exactement dans 30 jours. En fait, on lance un nouveau programme qui s'appelle le Master of Science Entrepreneurship and Sustainable Design, qui est en fait un double diplôme entre Schema et la Sustainable Design School, qui va être, en fait, pour la faire très très simple, qui sera le seul programme en France qui repose sur les 3 piliers de l'entrepreneuriat, de la sustainability, développement durable et du design. L'idée étant que si on parle d'économie circulaire, si on parle d'économie circulaire, de recycler, de réduire, etc., c'est en fait, et d'analyse de cycle de vie, c'est en fait d'impliquer des gens qui sont à la base de nouveaux projets, c'est-à-dire et qui sont là au moment de la conception, donc des designers, en fait, de manière à pouvoir intégrer dès la phase de conception, en fait, ces logiques d'économie circulaire et d'économie bleue. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur Schema. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Merci à vous. Je vous remercie d'être là. Et puis, je suis sûr qu'on va passer une excellente après-midi ensemble. Non, mais merci à vous, professeur. On vous applaudit bien fort. Donc, on remercie effectivement d'abord la Schema Business School, mais aussi le Business Pole qui nous a accueillis pour les sessions de ce matin. Le but de cette conférence, donc, c'est de faire un peu un bilan des différents projets qui ont émergé lors des sessions de ce matin. On va faire assez rapidement, en attendant que les dernières personnes qui arrivent, je vais vous présenter rapidement le projet Super France, en attendant que la salle soit comble, puisque donc, on est accueilli par la Schema Business School, on a la chance d'avoir ce grand auditorium où on va pouvoir mettre, même avec les mesures Covid, au moins une 130aine de personnes. Donc en attendant les derniers retardataires, je vais vous présenter rapidement le projet. Donc effectivement, c'est un projet assez intense dans tous les sens du terme. On rencontre beaucoup de gens et on va sur beaucoup d'étapes. On fait 12 étapes en 15 jours pour rencontrer tous les publics. C'est les sessions qu'on a fait aujourd'hui. On passe à chaque fois 6 heures d'échange dans la journée avec les élus, la presse, les entrepreneurs, les investisseurs, les jeunes et les associations pour partir en fait de leurs problèmes, de ce qu'ils ont comme ressources dans leur quotidien, mais également ce qui peut se poser à eux comme des contraintes et leur montrer comment ça peut être une matière première au développement de projets durables. Donc, cette méthodologie qu'on met en place dans les sessions, c'est la méthodologie qu'on a appelée PSD. On part d'un problème, on en trouve une solution. Bon, la plupart du temps, cette solution, vous l'avez déjà, vous avez déjà les grandes pistes, les grandes lignes de la mise en place des solutions aux problèmes locaux auxquels vous êtes confrontés.
Mais ce sur quoi on met vraiment l'accent dans Super France, c'est la troisième partie, la distribution, puisque c'est là que se crée la valeur, que se créent les emplois. Et comme le dit si bien Idriss, les trois objectifs de Super France sont l'emploi, l'emploi et l'emploi. Et ensuite, la manière dont on crée de l'emploi, c'est tout ce qu'on développe et tout ce qu'on met en place en s'inspirant de l'économie bleue, qui a été théorisée donc, par Günther Pauli en évolution en fait, à l'économie verte. L'économie verte, c'est une économie dans laquelle tout ce que vous faites de bon pour l'environnement, de bon pour vous, c'est-à-dire manger bio, marcher avec vos outils marchent avec des énergies vertes, etc., ça va soit vous coûter plus cher ou être un frein dans votre quotidien, une contrainte. Et l'économie bleue tend à montrer que l'écologie peut en fait être plus rentable de manière économique que le système actuel et que le système économie verte, mais également plus rentable pour les écosystèmes, plus respectueux de l'environnement et plus respectueux des humains, des êtres humains de manière générale et favoriser le lien social. Donc, cette économie, pour faire tout ça, eh bien, elle s'inspire des écosystèmes, de la nature, puisque dans la nature, rien n'est jeté, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas non plus de chômage, il n'y a pas de tricheurs. Et donc, on s'inspire de la manière dont ces organismes fonctionnent entre eux au sein d'écosystèmes pour eh bien, répondre aux problèmes, aux contraintes que vous avez chacun de manière locale et les mettre au sein d'un cercle vertueux, dans une économie circulaire où les déchets d'une entreprise peuvent être l'achat, la matière première d'une autre et ainsi créer un cercle vertueux de création de valeur. Je voulais aussi vous parler rapidement de la fondation Bioniria. Je suis ici parce que je représente la fondation Bioniria qui a été fondée il y a 2 ans par Idriss Aberkan pour promouvoir la bio-inspiration. Et c'est un peu dans tout ce qu'on met en place avec Super France et avec l'économie bleue de s'inspirer des écosystèmes. On a actuellement 2 campagnes. La première au Sénégal qui tend à alphabétiser les populations du nord du Sénégal, le peuple Peul, qui est en fait une des populations semi-nomades qu'on permet de se sédentariser autour de la culture du Moringa. Donc on a des petites fermes comme ça qui sont partagées par plus de 1600 personnes dans le nord de Sénégal. Et le vrai moteur de ce projet, ce sont les femmes. C'est elles qu'on alphabétise d'abord sur les pratiques horticoles de la culture du Moringa et puis dans leur langue natale sur la pratique des mathématiques, de la grammaire, etc. Et la dernière campagne qu'on fait actuellement est en Amérique du Sud. Elle a été un petit peu retardée par le coronavirus puisque nos experts scientifiques sont partis avec leur bateau et sur lequel ils ont mis ce camion qu'ils ont repimpé à la sauce Bioniria pour faire leurs études et pour analyser la biodiversité sur place en Amérique du Sud. Ils sont partis en décembre, sont arrivés début d'année et ont eu le temps de faire 3 mois de leur road trip qu'ils veulent, qui dure 2 ans, pour recenser la biodiversité qui s'y trouve et également prospecter sur l'achat de terres pour préserver la nature qui s'y trouve. Et on a la chance lors du tour d'être accompagné par la société Wild Immersion qui, elle, crée des réserves virtuelles, c'est-à-dire en mettant des caméras 360 dans des endroits où se trouvent des éléphants, des koalas, des girafes, en fait, permettent d'obtenir des images incroyables et vous permettent, vous, dans votre cas de citadin, en mettant un casque de VR, de vous retrouver dans ces réserves et d'être sensibilisé à la préservation de cette faune et de cette flore. Et ce qu'on souhaite mettre en place avec Wild Immersion en Amérique du Sud et plus précisément à Misiones en Argentine du Nord, c'est une réserve, donc cette fois-ci bien réelle, pour préserver donc, cette partie du nord de l'Argentine. Et donc, on va mettre en place pour ça un crowdfunding très prochainement. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à noter cette adresse mail à laquelle vous pourrez recevoir par la suite des informations sur cette campagne de crowdfunding et de financement de l'achat de ces terres qu'on souhaite préserver en Argentine du Nord. Il vous suffit d'envoyer un mail pour cela. Ensuite, on a également un autre partenaire sur le tour qui est Coffee Pixel. Peut-être que Günther veut nous en dire quelques mots ou sinon je peux rapidement vous en parler. Bon, je vais vous en parler puisque maintenant je commence à être un peu briefée. Donc là aussi, ça permet d'avoir un impact sur les forêts, plus précisément les régénérer en vendant du café solide et non liquide. On parle bien donc de café à manger, à croquer comme une barre de chocolat que vous voyez ici. Et dans cette barre en fait, donc de café Pixel, eh bien, vous avez la totalité du café qui est exploité, c'est-à-dire pas seulement le grain comme dans l'industrie classique du café à boire, mais également
toute la cerise, tout ce qui est autour de ce grain qu'on appelle le cascara et qui, dans l'industrie normale classique du café, est tout simplement jeté et n'est pas utilisé. Et donc, on a une industrie qui génère, au final, 99% de déchets, puisque quand vous buvez un café, la plupart après se retrouvent en mare de café qui est également jetée. Et donc, ce qui fait que cette entreprise, enfin, ce business est complètement inéquitable et les caféiculteurs sont très peu rémunérés. Et Coffee Pixel propose justement, en utilisant tout le produit fait par les caféiculteurs, de leur permettre une rémunération 5 fois plus supérieure aux caféiculteurs de café liquide. Et ainsi, avec ce surplus d'argent généré, de valeur créée par la valorisation du cascara, de régénérer, de replanter des forêts primaires où le caféier a toute sa place et profite des services écosystémiques qui l'entourent. Voilà. Donc vous pourrez retrouver Coffee Pixel à la sortie de cette conférence. Vous pourrez également y retrouver la BD Capitaine Quest, le dernier ouvrage de Idriss Aberkane qu'il a écrit dans la préparation de ce tour pour vous expliquer l'économie polyenne, comment elle peut être plus enthousiasmante que la décroissance et une alternative plus viable à l'économie classique. Et donc, voilà, c'est 50% de textes et d'images pour vous expliquer avec des petites anecdotes et des grandes histoires comment l'économie polyenne peut justement être une alternative et un nouveau modèle économique. Mais désormais, je pense que je vais laisser la parole à Gunther et Idriss pour nous en dire plus sur l'économie bleue et aussi sur tout ce qu'ils ont pu entendre et voir aujourd'hui lors de ces sessions à Sofia Antipolis et quels sont les projets qui les ont marqués. Merci beaucoup. Merci Apolline. Alors Idriss, quelle journée, hein ? Mais oui, très belle étape, il faut que je dise. Pour notre live, avant cela, Gunther, quelle a été la particularité de cette étape ? Vraiment, 5 minutes. On a une salle comble, pour le live, vous ne le voyez pas, mais on a une salle comble à distanciation sociale prête, puisque bien entendu, on doit respecter la distanciation sociale. Je vois que vous le faites tous très bien. Je vous remercie infiniment. Je tiens vraiment à réapplaudir la Schema Business School pour ce qu'ils ont fait pour nous aujourd'hui. C'est une très belle salle et une organisation exceptionnelle. On a eu des ateliers d'une grande qualité. Donc, merci aux organisateurs. Je ne pourrais pas les saluer avant maintenant. Je vous demande de bien les applaudir. Mais cette salle comble... Je dois vous poser une question avant. Est-ce que vous avez vu, en entrant ou en tournant dans le parking, est-ce que vous avez vu un pangolin ? Non, personne, on est bien d'accord. Hein. Non, parce que c'est une très belle étape qu'on fait, mais si j'en crois la presse régionale ou locale, c'est Wuhan ici, quoi. Il y avait des pangolins partout qui étaient prêts à vous sauter à la jugulaire et à relancer une épidémie de coronavirus là comme ça. Hein. Ça vous dit rien ? Si vous avez entendu ça circuler sur les réseaux sociaux, il paraît même qu'un canard plus ou moins sérieux du coin l'a écrit dans ses colonnes. Ça vous fait marrer, d'accord ? J'aurais dû mettre un micro là dans la salle, ça vous fait marrer. Bon, bah oui, là, si j'en croyais un certain canard local, ici, c'était Wuhan, on allait tous mourir. Bon, vous voyez bien que tout va bien, on peut le reconfirmer ensemble, je vous demande d'applaudir la santé de la région et de Nice. Et comme le canard en question est détenu par quelqu'un que j'aime bien et que je connais personnellement et qui est Xavier Niel, je dois lui dire dans ce live, Xavier, occupe-toi un peu là. On a acheté pour eux les 100 mots du journalisme. C'est un excellent bouquin pour démarrer dans le métier de journaliste qui a l'air de les intéresser. Ils apprendront comment vérifier une information et comment ne pas propager, s'il vous plaît, de fausses informations. Les fake news font plus de mal que le virus tout de même. Alors, il y a une loi du 22 décembre... Je le rappelle, merci. Il y a une loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation et les fausses informations. Xavier resserre un petit peu les boulons de cet apprenti canard avant qu'il nous annonce demain que c'est la guerre nucléaire ou bien que l'antéchrist a débarqué à Nice. Merci beaucoup. Sachant donc que moi aussi je suis journaliste, chroniqueur au Point et éditorialiste, je sais comment avoir des informateurs. Et que parmi les informateurs, eh bien, il y a parfois des chauffeurs, notamment des chauffeurs privés. Mais je sais que certains informateurs, ils vous donnent 3 bonnes infos et 1 mauvaise. Mes amis et confrères, là, c'était 1 mauvaise. Cette étape est un énorme succès. Je vais bien sûr terminer là-dessus. On a une salle magnifique. Merci d'être venus aussi nombreux. Vraiment, encore une fois, vous avez même, à ce qu'on me dit, dépassé Marseille. Ça applaudit ou pas, là, pour ça ?
Parce qu'il y a des Marseillais qui sont venus. Il y a des Marseillais qui sont venus. J'ai reconnu quelques Marseillais qui étaient hier soir, qui sont revenus. On les voit là, ils nous ont confié des ateliers d'une qualité extraordinaire et il s'avère donc que cette étape est une des plus efficaces sur le plan intellectuel de toutes nos étapes du Tour Super France. Mais je suis content de conclure avant de donner la parole à Gunther qui va faire remonter les excellentes réflexions que nous avons eues dans cet atelier. On s'appelle Super France, un héros, vous savez, un super-héros, ça sauve des vies. Bah, on peut dire qu'on a sauvé les Alpes-Maritimes. Avant qu'on arrive, c'était Wuhan et maintenant on est là. Pas un pangolin à l'horizon. Merci à vous. Merci, merci Idriss. Alors, tu sais que la première grande surprise que j'ai retrouvée, c'est le programme et les technologies à propos des champignons, mais des champignons tout à fait spéciaux. Alors, je dois te dire, Jean-Nicolas, je me suis absenté l'après-midi pour faire quelques tweets sur votre entreprise et j'ai vérifié votre présidente, votre chercheur, votre esprit. Quand même, Justine, elle fait un travail extraordinaire. Alors, j'ai lancé sur Internet, je suis arrivé ici chez vous, Sophie Antipolis, et je me suis impressionné, je suis inspiré par Justine. Venez avec moi ici sur scène parce qu'il faut en parler. On l'applaudit bien fort. Alors, pour la petite histoire... Je vais essayer de garder mon budget comme... Ah, mais voilà. Regardez-lui, il sait comment il faut Justine, faire. Et Justine est aussi de l'autre côté. Oui, Justine, c'est pour toi. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est là pour faire de l'emploi. Voilà. Alors, c'est assez extraordinaire. En 1984... de lancer un projet de reforestation en Colombie. On a décidé de régénérer une forêt dans une zone qui est une zone savane où les Espagnols avaient détruit l'écosystème. Et on a pu régénérer ce forêt grâce à des petits champignons. À des petits champignons qui s'appellent des champignons mycorhiziens. Alors, on a pu le faire à l'époque. Et moi, je me suis toujours dit, il faut qu'un jour, quelqu'un en fasse une négoce. Fait de négoce, parce que quand même, les plantes poussent nettement meilleures. Et ici, première chose que je rencontre, c'est vous, avec l'entreprise Mycophyto. Mycophyto, tout à fait. À postulat, l'idée de Justine est partie de ton interprétation, où elle s'est dit, il y a énormément d'informations sur ces champignons, mais au final, on n'en fait pas grand-chose. Excusez-moi, c'est typique pour nous, êtres humains, tout est sur Internet, toutes les informations sont disponibles et nous sommes tous des diseurs, des lecteurs, des rêveurs, mais nous avons besoin des faiseurs. Et vous êtes preuve qu'il y a des gens qui font. Voilà, donc c'est vrai que Justine s'est rendu compte de cette problématique et nous sommes donc une spin-off de l'INRA, puisque nos laboratoires... Et nos serres de recherche sont à l'INRA. Et l'idée de Justine a été de dire, OK, aujourd'hui, on sait que les champignons mycorhiziens existent depuis 400 millions d'années. On sait que ces champignons mycorhiziens créent une symbiose et un biostimulant naturel pour les plantes cibles de manière extraordinaire. On sait aujourd'hui que sur le marché actuel du champignon mycorhizien, il existe déjà des sociétés qui font du champignon, mais générique, c'est-à-dire une espèce qui est produit en masse et qu'on peut amener dans des cultures, et il y a des résultats. Alors, imaginez-vous deux minutes si nous étions capables de multiplier les champignons qui sont disponibles dans votre sol avec votre plante. Et c'est là où l'innovation est arrivée, c'est-à-dire que nous sommes capables aujourd'hui de faire un prélèvement chez l'agriculteur ou le producteur, de faire une analyse microbiologique avec un potentiel mycorhizien, de savoir quelles espèces de champignons sont disponibles, et avec ça, de créer un inoculum où nous allons, de manière liquide, en fonction de la taille de la plante, ou solide, au niveau racinaire, réinoculer cet inoculum dans la plante cible. C'est-à-dire, on va mettre quand même un peu de... Un boost. Un boost, un peu de caféine, non ? Un peu de caféine, un peu de boost. C'est un boost. Vous les mettez dans la terre, mais vous travaillez avec ce qui est déjà localement disponible. On n'apporte rien d'extérieur à ce que nous trouvons dans le sol de l'agriculteur. Ça, c'est économie bleue. Il multiplie les champignons existants. Ça, c'est créateur de milliers d'emplois en France, potentiellement.
dans l'agriculture. Les agriculteurs aujourd'hui ont des revenus décroissants. C'est pour ça qu'on voit des agriculteurs faire grève dans beaucoup de pays en Europe. Là, on pourrait augmenter les revenus des agriculteurs. Explique-nous d'ailleurs pourquoi tu as une chemise hawaïenne. Il y a un lien. Attention, ce type, oui, il est futé. Oui, il y a un lien parce qu'effectivement, moi, je suis passionné de plongée sous-marine. Et puis, à un moment donné, je me suis effectivement intéressé aussi aux travaux de Günther Pauli et d'Idriss Aberkane. Plus près du micro. Et j'ai vu que cette solution ne peut pas aller sans ce transfert de connaissances. Et pour moi, ça a été aussi une révélation et du modèle économique qu'on apporte, c'est d'amener les gens à comprendre que aujourd'hui, la solution, elle est sous leurs pieds. Elle est sous leurs pieds, ils marchent sur la solution. Et aujourd'hui, Justine et Christine Poncet, donc les deux cofondatrices de Mycophyto, sont les clés qui permettent d'ouvrir cette bibliothèque et d'amener cette information et cette solution. Donc, là où ça vient vraiment être intéressant au niveau des productions, c'est qu'on va avoir une augmentation végétale, on va avoir une diminution des intrants, on va avoir une surface racinaire qui va être multipliée par 1000. Donc, c'est quand même énorme, c'est-à-dire que les petits champignons vont aller chercher des nutriments de plus en plus loin, et tout ça sans amener rien de chimique. Et c'est vrai que les champignons font le commerce ? C'est-à-dire que les champignons disent « je vous donne un peu de nutriments, vous me donnez un peu de sucre ». Alors, effectivement, alors, en plus, voilà, là, vous avez un exemple d'un fraisier. Donc, je vous laisse, Iris, si tu veux bien en prendre un. Eh oui, alors, on va vous faire un petit test, là, en aveugle, tout ça. À votre avis, lequel est mycorhizé ? Et après, tu nous expliques pour cette chemise hawaïenne, bon sang, je ne vais pas te laisser partir comme ça. C'est intéressant comme histoire. Là, on a deux fraisiers, un avec une symbiose avec les champignons et un sans. Bien entendu, ce n'est pas juste avec deux fraisiers qu'on fait de la science. Lui, ça fait des années qu'il le fait. Et les symbioses mycorhiziennes sont connues en agronomie pour augmenter les rendements et même la qualité des sols, parce que les sols que tu mycorhizes, ils valent plus cher plus tard. Et oui, on va augmenter, on va valoriser le sol et surtout, on explique aux gens que demain, avec ça, on peut même sécuriser un sourcing. Alors c'est laquelle, juste déjà, à la salle ? Ah oui, vous êtes pour celle de Günther, vous, qui n'est pas mycorhizée, on est d'accord. On est considéré comme deep tech parce que ça a un enjeu pour les grands groupes aujourd'hui qui travaillent dans le monde du maraîchage ou dans le monde de la plante à parfum ou dans le monde de la vigne. Dans le monde de la plante à parfum ? Eh oui. Tu veux devoir le faire pour lui. C'est pour ça qu'il a cette chemise hawaïenne. En fait, oui. C'est pas juste que le type est un vacancier. Il bosse à La Réunion, notamment, oui. Qu'on salue pour Super France. On nous a envoyé beaucoup d'invitations pour l'île de La Réunion. Et les plantes à parfum, c'est un grand business à La Réunion. Effectivement, on a des endroits aujourd'hui où on est demandé sur beaucoup de régions, Amérique du Sud, Caraïbes, pour effectivement faire des études sur ce potentiel et cette nouvelle innovation qui permet aujourd'hui aux grands acteurs des filières, non seulement d'amener des solutions à leurs producteurs, parce qu'on est encore en phase de R&D, on en sort, on est prêt à s'industrialiser. Et pour ça d'ailleurs, on mêle l'intelligence artificielle demain à notre innovation, puisqu'on a mis en place avec 3IA une solution qui permet de prédire au niveau météorologique avec un point GPS et des data données, d'être capable avec cette intelligence artificielle de prédire les présences d'espèces de champignons disponibles au niveau de l'international. Extraordinaire. Ouais. Je crois que c'est une technologie qu'il faut quand même appuyer, développer. Moi, je suis une de ces personnes qui ne croit pas dans les OGM parce que je trouve toujours que la nature a d'autres solutions qui sont nettement meilleures. Ici, nous avons un cas concret. Si vous ne travaillez pas avec un royaume de la nature, les plantes, mais vous travaillez encore avec un autre royaume de la nature, les champignons, eh bien, les deux ensemble vous donnent des résultats qui dépassent le résultat des OGM. Et vous travaillez avec ce qui est localement disponible. Pour moi, c'est l'économie bleue. Je remercie. Merci beaucoup. À vous. C'était merci super. Beaucoup. Alors, Idriss, on parle des micro-organismes, on parle... il y avait Charlotte et Maxime. Est-ce que je les vois dans le salon ? Charlotte et Maxime, non, ils ne sont pas là. Alors, parle de leur projet alors. Ah merde, parlons de leur projet. Ils ont des stations sous-marins pour avoir quand même des détecteurs qui permettent de dire qu'il y a des micro-organismes qui peuvent créer quand même soit des pollutions, des micro-organismes quand même qui peuvent créer même des problèmes de santé, qui peuvent créer des développements des micro-algues, etc. Alors, eux, ils avaient un système extraordinaire sous-marin qui fonctionne. Mais il y avait de l'université aussi Grégory. Grégory, est-ce qu'il était là ? Non.
Il est de l'université. De l'université, donc Sophia Antipolis. Voilà. Et pourquoi il nous a fait plaisir, lui ? Alors lui, il nous a fait beaucoup plaisir parce qu'il nous a parlé de l'IFI. C'est-à-dire qu'il a, il a un programme depuis 10 ans de l'IFI. Vous connaissez le l'IFI ? Oui. Si vous le connaissez, vous venez m'expliquer ce que c'est quoi ? Qui peut l'expliquer ? Parce que connaître, savoir que ça existe, c'est bien beau, mais savoir le réexpliquer, savoir expliquer pourquoi ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un veut venir monter sur scène pour nous expliquer ? Mais voilà, alors, Rodolphe. Venez mon capitaine. Rodolphe qui a créé le site Mon Capitaine et qui est donc ancien capitaine de l'armée de terre, de l'infanterie précisément, et qui fait notamment de la formation en management. On l'applaudit, bien entendu. Il a le micro, Rodolphe, je te prête le micro. Eh bien, Rodolphe, mais comme tu es sur scène, il faut que tu aies quand même dans ta poche une chose. C'est vrai ? C'est dans ta poche ? C'est dans ma poche. Ah, voilà. Alors, garde là. on va en parler, ce qu'il a dans sa poche après, OK ? Avant, l'IFI, après, autre chose. Ah, les secrets, hein, c'est quand même extraordinaire. Les poches des hommes. On ne parle pas des poches des femmes, hein, les chacoches des femmes et les poches des hommes. Bon, voilà, Rodolphe. Alors, qu'est-ce que c'est l'IFI ? L'IFI, c'est la transmission des données par lumière LED. Elle est allumée, c'est un 1, elle est éteinte, c'est un 0. Donc, transfert de données, les LED s'allument et s'éteignent à une vitesse tellement grande qu'on ne le voit pas. Et ça permet de la transmission de données par la lumière, donc il n'y a plus besoin de fil. Extraordinaire. On ne pouvait pas mieux dire, c'est exactement ça. Et donc, pas d'ondes radio, pas de pollution aux ondes radio supplémentaires, pas de routeur Wi-Fi supplémentaire. Et bien entendu, les LED suffisent à envoyer le signal. Alors maintenant, cette poche, Gunther. Non, pas encore. Il faut avoir la surprise. C'est vrai que je suis un peu impatient quand même. Augmenter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme il y a des gens qui travaillent avec des systèmes pour suivre la présence des micro-organismes, le météo sous-marin, je leur ai dit quand même, vous devriez connecter ça avec le LIFI, parce qu'on n'a jamais raconté ça dans notre Tour de France. Une des grandes surprises de LIFI, c'est qu'on peut communiquer quand vous êtes dans l'eau, un avec l'autre, sous. Vous êtes dans l'eau, vous avez votre masque, vous avez tout avec vous, et vous pouvez parler, à une condition, que vous ayez une petite lampe sur votre masque. Alors, on a développé pour Decathlon, vous connaissez cette petite entreprise française qui vend quand même des choses bon marché, eh bien, ils ont des masques où vous pouvez parler. Mais bien entendu, à quoi ça sert que vous pouvez parler ? Quand vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez pas parler. Jusqu'au moment que le LIFI est arrivé, chacun a une petite lampe sur sa masque et on peut parler dans l'eau. Alors, j'ai dit quand même, les deux, il faut les mettre les deux ensemble. Le LIFI sous-marin avec les stations météo sous-marin, on met les deux ensemble et on a un projet de développement extraordinaire. Rodolphe. Super, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais je suis entièrement d'accord. Mais vous avez l'expérience militaire oui, quand même. Alors là... ça utilise aussi une technologie militaire pour transmettre et sur l'os de la mâchoire. En fait, les militaires utilisent ça pour transmettre les informations. Et on n'a plus d'écouteurs qui éclatent les tympans, mais on a ici un petit objet qui se cale contre la mâchoire, qui crée des petites vibrations, qui fait qu'on entend comme si on écoutait quelque chose. Juste par les vibrations, on arrive à transmettre de l'information. Et alors, comme une membrane de... Et ça, c'est magnifique parce que ça vient de l'éléphant. On a ouvert, Gunther parle de Decathlon. Vous savez, les masques qu'on va vous afficher là, j'ai ouvert sur le coronavirus, Decathlon les avait proposés, ils ont été déployés dans les hôpitaux, vous les avez vus dans les informations, ces masques qui couvrent tout le visage et ont été déployés comme substitut pour les réanimations et l'oxygène. Ce sont ceux-là, là vous voyez ceux que Decathlon, avec ces deux bouts-là, a proposés et a présentés, déployés dans les hôpitaux, mais évidemment l'objectif est de mettre le LIFI en haut. Mais cette technologie ostéo-acoustique qui est utilisée par l'armée, elle vient d'un animal, est-ce que vous savez lequel ? L'éléphant, absolument, merci mon capitaine. Les éléphants ont des oreilles dans leurs pattes. Ça leur permet de communiquer en basse fréquence. Vous savez que les basses fréquences, quand vous dormez, vous avez des boules quies. Et qu'à côté, il y a une boîte de nuit. Vous entendez quoi comme son ? Même avec les boules quies. Pourquoi vous les entendez ? Parce qu'elles passent par vos os. Et que même avec les boules quies, vous allez les entendre.
eh bien, les éléphants ont mis au point ce système de communication basse fréquence où les vibrations dans le sol sont échangées sur plusieurs kilomètres. Ça leur permet de réguler leur fréquentation des points d'eau pour savoir exactement quand les éléphants vont arriver, à quel moment. Ça a été adopté par l'armée et par Google pour faire des écouteurs ostéo-acoustiques. Et aujourd'hui, vous connaissez mes travaux sur le complexe pacifico-industriel. Je veux que toutes les technologies militaires passent dans le civil, qu'on en fasse des versions civiles. Eh bien, avec cette conductance ostéo-acoustique, on pourrait, juste pour le fun, avec ces masques de snorkeling, communiquer pendant qu'on nage. Comment ça fonctionnerait, Gunther ? Ah mais c'est assez simple, vous avez une torche qui donne une lumière, vous avez votre lampe sur votre masque et vous communiquez entre vous. Et c'est surtout important, moi j'ai 6 enfants, et alors une des responsabilités des papas, c'est d'enseigner à nager aux enfants. Et quand les enfants ont une masque et les enfants vous écoutent quand ils sont pour la première fois avec la trouille dans l'eau, et bien avec la voix de papa derrière, dans quelques cas, ils ont encore plus de trouille hein, en écoutant papa. Mais dans mon cas, pour au moins, quelques enfants étaient si contents d'être à l'écoute de papa, ils nous ont appris à nager beaucoup plus vite. Et on va arriver à votre poche. Vous voulez savoir pour qu'est-ce qui est dans la poche ? Alors, il faut que j'appelle Zoé. Oui, venez. Oui. Vous appelez Zoé, non ? Bah oui, vous n'avez... Elle a des doutes, là. On vous garantit que vous vous appelez Zoé, on peut vous le confirmer. On applaudit bien fort. Vas-y. Alors, Idriss est un homme extraordinaire qui libère vos cerveaux, inclut le mien. Et en plus, il est l'homme qui explique c'est quoi l'intelligence. Là, depuis le temps, vous le savez, non ? Vous avez vu mes conférences. Qui le sait ? Et intelligence, c'est quoi l'étymologie ? Interligere en latin, faire des liens distants. C'est la méthodologie générale de la résolution de problèmes, relier des personnes. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui, du speed dating. C'est pour ça que Zoé ne savait pas trop pourquoi elle montait sur scène là maintenant. Je vous rassure, je le sais. On n'est pas en train de les faire se marier, tout va bien, mais on va faire un mariage intellectuel et technologique. Et c'est exactement ça l'ambition de Super France, réunir des entrepreneurs, des financeurs, des politiques, des associatifs pour qu'ils résolvent ensemble les problèmes. Gunther. Alors Zoé, toi, tu as développé avec ton équipe une technique spéciale pour l'événementiel. Oui, c'est ça. Avec solaire. Oui. Explique-nous. D'accord. Alors, en fait, on a développé avec mon mari, qui est dans la salle, Urel. Venez ici pour le cadre, pardon, vous pour le live. Vous voulez venir avec Venez, vous remets-toi avez... par là aussi, Gunther, pour le cadre du live. On n'est pas dans le cadre. Tac. Revenez, reviens aussi, Rodolphe. Ouais. Parfait. On a mis au point une génératrice mobile solaire. Qui permet, en fait, qui devrait permettre à terme de remplacer les génératrices diesel, qui sont extrêmement énergivores. On a eu l'occasion de les tester sur des événements qu'on a organisés et ça fonctionne très bien. Et voilà, j'ai fait bref. Ah, mais c'est extraordinaire, mais c'est très bien. Alors, quelle est dans notre discussion ? Qu'est-ce qu'on a suggéré ? Il faudrait avoir une autre technologie, peut-être, oui, qui pourrait complémenter. Oui, complément, parce que quand il n'y a pas de soleil, effectivement, on a toujours ce problème de stockage. Qui est lourd, qui est cher, etc. Et c'est vrai que si on a plusieurs technologies propres qui peuvent se complémentariser, on pourrait arriver à quelque chose de beaucoup plus rentable, avec un rendement plus important. Alors, la poche, montrez ce que vous avez dans la poche. Ah oui, montrez-le. Utilisez-le, s'il vous plaît. Vous allez dire, qu'est-ce que ce poli a foutre avec... Ce yo-yo et avec le solaire et avec quoi ? Ce tour est réalisé sans trucage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez cet appareil, hein, le yo-yo ? Qui n'a pas joué avec le yo-yo ? Mais tout le monde a joué. Ça fut développé par les Grecs pour que les jeunes hommes contrôlent un peu leur caractère. Leur mentalité, un peu d'élégance, vous voyez, Rodolphe, il le fait avec beaucoup d'élégance. Hein. Je suis en toute la journée. Ah oui, j'ai vu, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé et demandé de venir. Alors, quelle est vraiment la chose ? C'est qu'il y a une nouvelle technologie qui utilise le yo-yo pour générer de l'électricité que vous pouvez utiliser dans l'événementiel. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir expliquer votre grand projet. J'admire votre projet parce que je crois que c'est extraordinaire. C'est encore une de ces entreprises qu'il fallait avoir partout, tout le monde, tout le temps. C'est normalement, on utilise quoi ?
des générateurs de... Des groupes électrogènes au diesel. Ah, c'est-à-dire des générateurs de diesel qui tournent. Qui sont, pas bon, qui sont souvent surdimensionnés en plus. Et qui sont très bruyants. Ils sont très bruyants. Et en fait, l'intérêt de ce qu'on a mis en place, c'est qu'on va repenser la distribution électrique sur un événement. On va réapprendre à étudier les appareils qu'on allume machinalement, mais qui ont une vraie consommation électrique. Et souvent, on n'est pas conscient de ce que ça consomme. Donc, on va vraiment réapprendre à utiliser l'énergie différemment. En fait. Mais la matière première de l'événementiel, c'est le wow effect. On est bien d'accord qu'un groupe électrogène au diesel, ça dégage aucun wow effect. L'effet waouh. Ah, pardon. Waouh. Je suis bilingue, excusez-moi. Non, effectivement, il n'y a aucun effet. Et wow. Ça, est-ce que ça balance de l'effet waouh par pack de 12? Ah bah ça, c'est plutôt impressionnant, effectivement. Même avec éventuellement un sponsor dessus, ou bien l'événement pour l'annoncer à toute la ville. Je connais les sponsors qui mettent leur nom là-dessus pour un minimum de 100 000 par nuit, hein. 100 000. Parce que ça génère quand même la surprise. La nuit, on veut beaucoup. Vous savez ce qu'il faut avoir dans la vie. On peut faire de la lumière dessus. On peut faire des clignotements. Et il y en a qui clignotent, notamment pour les normes aéronautiques. Tu le disais que la nuit envoyait pas. S'il te plaît. Ouais. Donc alors, ça, c'est du wow. Ça peut devenir un acteur à part entière d'un événement. Ça peut devenir une attraction à elle-même. En fait. Exactement. Et en plus, on fait jouer des drones avec. Vous savez que ce kite, ce cerf-volant, encore une technologie qui date d'il y a 8500 années, ça a vu inventer en Indonésie, on l'utilise. Qui n'a pas joué avec un cerf-volant? Mais tout le monde a joué avec des cerfs-volants. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites quand vous tirez votre cerf-volant? Vous générez votre propre vent. C'est quand même extraordinaire. Nous savons générer notre propre vent, nous savons exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça monte et ça descend, et ça monte et ça descend. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous manquait? L'intelligence artificielle. C'est ça ce qu'il nous manque. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse voir dans votre siège. Zoé, merci. Rodolphe, merci. Félicitations. Merci à vous. Votre entreprise doit réussir. Alors, quand même, dans ce Tour de France, on aimerait bien vous présenter des choses qui n'ont jamais été présentées. Le vidéo que vous voyez, c'est le vidéo test qui fut seulement divulgué hier pour la première fois dans l'histoire, parce qu'il y a toujours des éléments de brevet, il y a toujours des secrets là-dedans. Mais vous voyez un peu comment on lance ce cerf-volant. Ce cerf-volant utilise seulement 5% des matières nécessaires pour l'éolienne en général. On a un prix de coût par kilowatt-heure qui se limite à 3-4 centimes. On fait la concurrence directe, mais on n'a plus besoin de batterie. Tout entre directement dans le réseau grâce à une troisième technologie, la technologie qu'on appelle horloge coucou. Vous vous rappelez les horloges coucou? Coucou, coucou, coucou. Il est 3 heures. Voilà. Et ces horloges fonctionnent avec quoi? La gravité. C'est-à-dire qu'on tire ce poids de 750 grammes, ça monte, et par après, il y a une force de gravité qui est modulée en seconde par seconde pour fonctionner pendant 8 jours. Alors, on utilise exactement la même mécanique derrière ce cerf-volant, un cerf-volant qui sort et qui revient, qui sort et qui revient, et alors la modulation de l'énergie générée est mise directement soit sur 24 volts, 240 volts, 380 volts, avec la modulation dont le réseau a besoin. Vous éliminez tous les éléments intermédiaires. Alors, ce vidéo, c'est la première fois qu'on le montre en public, et c'est une innovation. Nous sommes à Hambourg, nord de Hambourg, en Allemagne, où le gouvernement a donné pour la première fois le permis de l'installer à 3 km d'une plateforme d'urgence des hélicoptères. Et croyez-moi, si les Allemands l'ont autorisé, ici, vous pourrez l'autoriser aussi. Il ne faut pas croire qu'on est les seuls à avoir une difficulté administrative ou bien une certaine aversion au risque. Si ça a été installé à côté d'un héliport à Hambourg, c'est que c'est safe et qu'on peut l'installer où on veut. Alors, nous avons parlé encore de pas mal d'autres choses. Idriss, tu te rappelles de le monsieur qui a commencé à parler de consignes pour les verts? Ah oui, tout à fait. Julien. Est-ce qu'il est parmi nous, Julien? Non. Ah oui, Julien, alors venez. Ah, hein. Tu as levé la main, ça y est, tu as mis le doigt dans l'engrenage. Ou tu n'es pas le Julien de la verre? Du verre. Du verre.
Bah voilà, voilà, bah voilà. Allez. Parlez de la consigne à Gunther, on voit pas où ça peut vous venir. Hein. Ça peut vous emmener très très loin, on l'applaudit. Bah, on avait au cours aussi un architecte, hein. Il est Romain. Où est Romain, l'architecte? Architecte des PLG, mais venez Romain, s'il vous plaît. Vous êtes aussi co-responsable de cette idée. Vous savez, nous sommes là pour être à l'écoute, pour découvrir ce qui vit en vous. Et alors tout d'un coup, on découvre qu'il y a des solutions qui existent. Romain, quelle était ta réflexion? Attends, on applaudit monsieur l'architecte qui nous ah, rejoint. Ah oui, l'architecte avant que Romain là. Je réponds. Oui. Alors en fait, la jeune chambre économique avait travaillé en fait, à l'étude du retour de la consigne de verre pour les particuliers. Chambre de, jeune chambre de commerce, qui êtes-vous? La jeune chambre économique. Alors, je présente en une phrase, nous sommes une fédération en fait, mondiale de jeunes citoyens de 18 à 40 ans qui œuvrent pour le développement économique et pérenne de leur territoire. Et donc, un des thèmes abordés par la commission, cette commission-là, c'était ben, de se demander mais pourquoi est-ce qu'on a abandonné la consigne de verre pour les particuliers en, fait, en France. Ben, vous savez tous que ça a été remplacé donc, par le jetable, par la bouteille en plastique, parce que c'était plus léger à transporter. Et en gros, bon, pour vous faire en fait, un déroulé assez rapide, les conclusions en fait, de cette enquête, c'était que pour le remettre en fait, au goût du jour aujourd'hui, c'était très cher pour disons, des commerçants isolés qui en fait, se trouvaient face à des problèmes techniques du style bah, les formats des bouteilles. Alors, aujourd'hui, au niveau national européen, en fait, il n'y a rien qui détermine le format en fait, d'une bouteille. Donc pour avoir une collecte en fait, massive de bouteilles pour les laver et pour les réinjecter dans un circuit, bah, pardon, ça n'existe pas. Et donc il faudrait avoir des laveuses en fait, complètement modulaires, ce qui n'existe pas, ce qui est hors de la portée, hors du budget en fait, d'un commerçant local, comme on avait essayé à Montsartou à côté ici. L'action en ce moment est arrêtée, elle a été transmise à une association qui s'appelle Écosciences Provence, qui est une des associations régionales en France qui s'occupe complètement de ce sujet-là, et qui nous avait parlé d'un projet incroyable qui était bah, d'avoir des trieuses sur les parkings des grandes surfaces, où on ramène toutes nos bouteilles et puis on les met dans un gros conteneur qui va scanner bouteilles consignables et pas consignables pour que les commerçants qui participent en fait à ce circuit de réinjection puissent en fait remettre les bouteilles de vin, n'importe quoi, dans les camions qui sont venus les livrer dans les centres commerciaux pour les ramener à un autre centre de tri où ils seront réinjectés. Donc, nous, on s'est arrêté en fait à ce stade-là, Sophie Antipolis, puisqu'on n'avait pas les moyens d'aller plus loin. Mais ça, vous êtes parti d'une conscience qu'il faut faire quelque chose. Oui, on part d'un problème, on se dit, mais quelle est la cause racine de ça? Exactement. Et après, il y a des architectes qui nous disent quand même, on a besoin des matériaux. Il y a alors les bouteilles qui ne sont pas consignées, qui sont alors devenues des déchets, on peut en faire mousse de verre. C'est-à-dire, on va les mouler, on va en faire une poudre, cette poudre, on va injecter de CO2, je crois que nous avons assez de CO2 dans cette terre, on injecte de CO2, avec le CO2, on crée une mousse. Et alors, quel était le problème des architectes? Qu'on ne peut pas l'utiliser en France? Les directives techniques unifiées. Ah voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, les DTU? Qui connaît ça? Allez, levez la main, il y a bien quelqu'un. Allez, il y a quelqu'un qui connaît tout de même. Bah voilà, derrière. Qui connaît les DTU? Vous vous rendez pas compte à quel point ces DTU, elles peuvent être déterminantes dans votre bien-être et dans les évolutions de l'écologie à l'échelle même mondiale, pas qu'en France. S'il y a un matériau qui est bon, qui résout le problème, mais qu'il n'a pas cette DTU, aucune chance qu'il soit déployé dans votre maison. Vous n'avez pas le droit d'utiliser. Vous ne pouvez pas considérer, si vous le considérez et vous l'utilisez, vous êtes le responsable s'il y a un problème. C'est ça. L'assurance n'intervient plus. Tout à fait. Alors là, quelle est notre conclusion? Je ne savais pas du tout. Je parle depuis quelques jours à propos de l'opportunité de régénérer quand même des négoces dans des régions parce qu'on a un matériel de construction plein de CO2, mais qui ne brûle pas. Parce que verre ne brûle pas et l'intérieur c'est CO2, CO2 ne brûle pas. Alors si vous mettez des murs avec cette mousse de verre, vous avez une barrière de feu. C'est quand même important. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir des barrières? Vous mettez quoi? Pour des barrières feu? Oui. C'est des produits inuffisants.
qui sont la majeure partie du temps très polluants, très nocifs, y compris en COV, en composants organiques volatiles. Et pour l'instant, on n'a pas de grand choix là-dessus. Alors, c'est intéressant. Vous avez un produit toxique, un produit qui est mauvais pour votre santé. Il y a un substitut qui génère un produit local, qui recycle, qui résout un problème que vous avez reconnu. Quand même, vous, Chambre de commerce, vous n'êtes pas seul. Vous avez des milliers de membres. 200 000, c'est la jeune chambre économique. Ah ben voilà, 200 000 membres, c'est quand même incroyable. Vous avez 200 000 personnes qui, d'une ou autre manière, se sont rendues compte qu'il y a la nécessité de faire une opportunité. L'opportunité fut créée en France. Il y a le DTU qui bloque. Qui bloque. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, et ça c'est aussi nouveau, je partage pour la première fois, dans plusieurs pays en Europe, on fait la promotion de mousse de verre. On fait la promotion parce que c'est bien pour la santé, c'est bien pour l'économie locale et en plus, c'est bien pour l'écologie. Ça n'a pas de sens de bloquer. Alors, qui a, en espagnol, decimos palancas, qui a un peu d'influence? Le bras long, on dirait, en français. Qui a l'influence? Qui peut commencer quand même à mettre en évidence qu'en Suède, en Belgique, en Suisse, en Finlande, tous ces pays ont maintenant une stratégie de recyclage des verres, tous les types de verres, pour transformer vos maisons en maisons qui sont quand même des preuves de la bonne santé et de la bonne tête pour l'écologie. Et qui fixent le CO2 à chaque construction. Avec cette mousse de verre, on aurait pu aussi parler des biobétons, dont vous savez qu'on parle à toutes les étapes de Super France, parce qu'on salue toutes ces initiatives sur les biobétons à base de miscanthus ou de chanvre. Eh bien, on fixe du CO2. On nous dit qu'on rejette trop de CO2. On nous dit que les objectifs des COP 21, 22, 23, 24, 25, je ne sais même plus à laquelle on est, ne sont pas atteints. Voilà comment on les atteint. Vous avez un isolant qui ne rejette aucun produit polluant à l'intérieur de vos maisons, qui est uniquement fait à partir de verre que l'on fait mousser avec du dioxyde de carbone pur. Le dioxyde de carbone, les pompiers l'utilisent pour quoi? Pour éteindre les feux. On a donc un matériau totalement anti-feu, sans chimie de synthèse supplémentaire, sans produits polluants, voire perturbateurs endocriniens, qu'on peut recycler à l'infini. Et pour l'instant, la seule raison pour laquelle il n'est pas dans vos maisons, c'est parce que vous n'étiez même pas au courant que les normes ne l'avaient pas pris en compte. Alors, on fait ces conférences pour ça, pour que vous sachiez que les normes ne l'ont pas prise en compte et que vous puissiez agir ou ne serait-ce que le mentionner pour dire « moi, je voudrais que mes maisons soient moins polluées, ce n'est pas normal ». Que ces normes qui sont censées être faites dans mon intérêt n'aient pas pris en compte les meilleures solutions qui existent. Alors je propose que ce soir, vous deux décideriez que vous, chambre de commerce, jeune entrepreneur, vous dites « c'est une industrie de futur, moi j'aimerais bien que nous tous nous mettrions derrière » et vous faites la promesse que vous allez prendre contact avec ce DTU pour dire « il y a des entrepreneurs qui souhaitent en faire des affaires, c'est bien pour la santé, la Suède, la Belgique, la Suisse, Finlande, etc., ils font la promotion. L'heure est arrivée que DTU dit « oui, on va l'approuver ». Vous êtes d'accord? Mais vous êtes aussi d'accord? Et très bien, c'est comme ça qu'on fait faire des choses. Hein. Nous sommes des faiseurs, pas des diseurs. Alors moi, je vais faire la suivi. Hein. Je vais faire une suivi pour vérifier qui... Je vais parler avec mes amis dans le JCI, dans le Jeune Chambre Commerce, pour être certain que non pas seulement les Français, mais tous les autres pays qui ne le font pas encore, soient quand même les précurseurs, les innovateurs et les créateurs d'emplois. Monsieur l'architecte, vous construirez une maison avec ce matériau? Tout à fait, je ne connais pas du tout. Mais Vous l'avez qui s'affiche derrière vous, là. Donc on dit mousse de verre ou verre cellulaire, comme le béton cellulaire. Alors c'est déjà autorisé pour les sous-bassements. Pour les sous-bassements, mais ce n'est pas là qu'on... C'est pas là qu'il y a un la maison qui rend fou d'Astérix. Ouais. C'est autorisé pour le sous-sol. Ok, très bien. C'est autorisé pour les fondations. Exactement. C'est là où il y a beaucoup de feu. Oui, voilà. C'est là où la maison prend feu en premier. On est d'accord. Oui, voilà. Les charpentes ne prennent jamais de feu. Jamais. C'est toujours le sous-sol. La cuisine non plus. C'est le sous-sol qui brûle en premier. C'est les fondations qui brûlent en premier. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Merci. On s'éclate, Gunther et moi, là, avec ces études de cas. Vraiment, on prend un plaisir fou à vous les transmettre. Valérie, vous êtes là. Valérie, ma chère Valérie, femme de spiruline. Ah non, ne vous dites pas que vous n'êtes pas là. Alors moi, je me sens très seul.
C'est-à-dire que... On avait une cultivatrice de spiruline à cette étape. Non, pas seulement cultivatrice de spiruline, la seule en France qui fait spiruline bio. C'est quand même extraordinaire. Les Français sont conscients de la nécessité de prendre soin de leur santé. Les Français augmentent la consommation assez impressionnante de spiruline, mais les Français ne produisent pas spiruline dans leur pays. Vous avez quand même des situations, des conditions extraordinaires chez vous. Je ne parle pas de Lille, hein. Je parle de chez vous. Alors, vous savez comment on le fait, la spiruline? Dans nos projets, on le fait sous le toit, sur le toit. Tous les toits peuvent devenir ferme spiruline. Tous les toits. Le toit, vous parlez, je parle quand même le français, non? Le toit, c'est là, hein. C'est là où tout devient très chaud. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un contrôle de température, vous mettez de l'eau sur votre toit et la température baissera à l'intérieur. C'est pas difficile. Alors, notre chère amie Valérie, elle n'est pas là, mais quand même, nous avons fait une découverte. Elle était aussi amoureuse d'un autre projet de nous. Oui, toujours sur le speed dating. C'était lequel, là? Excuse-moi, je ne me rappelle plus bien des couples qu'on a formés aujourd'hui. Abeilles. Et oui, les abeilles, un projet canon. On avait quelqu'un, alors un apiculteur, et malheureusement, il était devenu un apiculteur. Où est notre agriculteur? Où il est, ouais, déjà, le temps qu'il s'identifie. Voilà. Abeille Riviera. Il voulait installer des ruches et on lui disait que la distance de sécurité pour les ruches était trop grande. L'espace, il voulait faire renouer les Français avec les abeilles et les ruches, et on lui disait que la distance n'était pas bonne. Ce monsieur est apiculteur, c'est sa formation principale, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il ne connaissait pas les mélipones. Vous connaissez les mélipones? Ah, maintenant, oui rodé, et vous allez vous rappeler pour le reste de votre vie. Qui sont les mélipones? Allez, qui ne connaît pas les mélipones? Qu'on qui voit un peu pas. Si nos conférences servent à quelque chose. Ah, mais quand même, c'est incroyable. Alors, en 1900... Non, ce n'est pas des plantes mellifères. Non. Gunther, c'est quoi les mélipones? Mais regardez-les, elles sont belles. Ce sont des abeilles qui ne piquent pas. C'était des animaux de compagnie chez les peuples toltèques, chez les mayas, chez les incas. On les tenait, on avait la ruche au sommet de la maison, sur le seuil. Elles se transmettaient de père en fils. Et c'était de vrais animaux de compagnie. Elles viennent sur vous, elles ne piquent pas. Elles peuvent se nourrir éventuellement de votre sueur. Pourquoi c'était des animaux de compagnie, à votre avis? Pourquoi on les gardait dans les maisons? Elles chassaient les mauvais insectes. Elles éloignaient les insectes, comme les margouillas à La Réunion. On aime bien les avoir dans la Réunion. Dans la maison, c'est très joli. Ça éloigne les araignées et les moustiques. Eh bien, ces mélipones, on les a introduites en France à peu près vers quelle période, Gunther? 1650. Ils sont arrivés. 1650. 1600. Ils sont arrivés en France, se sont introduits, se sont bien introduits. C'est aussi vieux que les tomates ou les patates. Voilà, vous n'avez rien contre les tomates, vous les considérez exogènes, exotiques. Les tomates, quand même, ça fait partie de votre diète tous les jours. Alors, ces abeilles qui ne piquent pas sont arrivées au même moment. Sont arrivées, il y avait même une certaine popularité. Et la chose qu'on souhaitait faire, c'est de domestiquer. Et les Français ne savaient pas comment domestiquer. Alors, en 1872, on a même donné un prix de 500 francs à la famille qui était capable de domestiquer les mélipones durant minimum 3 ans. Et on a réussi. Et qu'est-ce qui s'est arrivé après? Ah, on a commencé à utiliser quelques produits chimiques. Et les quelques produits chimiques ont avant tout éliminé les plus faibles de l'écosystème. Ce sont ces petites abeilles qui sont de petites ruches, des ruches de 600 à 800 unités, qui sont les plus productives par abeille, mais les moins productives par ruche. Alors, comment vous calculez vos statistiques? Par abeille ou par ruche? Et c'est-à-dire, ils étaient considérés par nos amis de INRA. En année 61, INRA produit un rapport de 50 pages, et dans ce rapport, ils disent... Ce sont les abeilles les plus productives de l'histoire. Il faudrait relancer parce qu'elles étaient déjà en extinction 61. Eh bien, nous sommes en voyage et nous sommes à Caen. On en parle, il y a un type qui dit « Je les ai ».
Alors là, je vous avoue, je l'ai embrassé. Hein. J'étais présent, il l'a fait. Alors quand même, il faut le dire, quel cadeau ! Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Je vous cherche depuis des années. Ah. Alors tout d'un coup, on les rencontre. Alors, on les rencontre et pour nous, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Et le cadeau extraordinaire que nous avons reçu, c'est que maintenant, nous savons qu'il y a encore des abeilles qui ne piquent pas, qui sont chez vous, à la campagne. Vous pouvez les prendre dans vos mains. Vous pouvez les mettre dans votre poche. Vous pouvez les reprendre de votre poche. Pique pas. Vous pouvez les avoir à la maison. Vous pouvez les avoir à la maison. Et c'est ça ce que j'aimerais bien vous dire. Maintenant, je reviens à Valérie. Valérie est tombée amoureuse à l'immédiat de ces abeilles qui ne piquent pas. Et il est immédiatement une idée qui est arrivée à sa tête, parce que pour cultiver la spiruline, qu'est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin de serre. Et les serres maintiennent la température élevée. Les abeilles, au plus qu'il y ait la température, au mieux que bossent les abeilles. Alors, elle a immédiatement imaginé ses serres avec les abeilles qui ne piquent pas à côté spiruline. Alors là, quand même. Toujours créer des écosystèmes comme ça. Résoudre trois problèmes en même temps peut être beaucoup plus simple et coûter beaucoup moins cher à la collectivité que de résoudre trois problèmes séparément. Il y a des problèmes qui se résolvent mutuellement. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la Blue Economy et avec tous ces sujets sur Super France. C'est pour ça qu'on vous parle de speed dating. Le simple fait de faire rencontrer des porteurs de projets, des associations ou bien des financeurs peut résoudre les problèmes. À la limite, on pourrait juste, nous, se croiser les bras, regarder les gens échanger et voir les problèmes se résoudre tout seuls. C'est l'ambition qu'on a pour ce tour. On amorce ça par ces conférences, par ces ateliers, mais cette méthodologie de la rencontre des problèmes ou des projets qui, a priori, ne se parlaient pas. Vous voyez, Rodolphe est militaire. Eh bien, il a parlé aujourd'hui avec le projet LIFI qui était porté par l'université de Nice, Sophia Antipolis, et il en est sorti quelque chose de nouveau. C'est ça, l'intelligence collective. Et c'est exactement le genre de projet que l'on veut défendre. Alors, Hunter, Idriss, on a des invités de marque. Est-ce qu'on les annonce maintenant ? Est-ce qu'on les fait venir sur scène tout de suite ? Oups, il nous reste une demi-heure. Mais Idriss, il y a encore un autre projet que j'aimerais bien quand même, parce que c'était la première fois qu'on a parlé. Mais je ne sais pas, Fernanda, vous êtes là ? Notre Mexicaine, la Mexicana. Ah, mais ce soir, on a vraiment malchance. C'est-à-dire qu'il y a deux femmes qui présentent l'entreprise MDI. Vous avez entendu parler de MDI ? La bagnole qui marche avec l'air oui, comprimé. Oui, c'était un projet extraordinaire. Alors, quand même. Extraordinaire. Alors, on fait signe à, d'ailleurs, quelqu'un qu'on a rencontré à l'étape de Bordeaux, qui est monsieur De Vailly. Je vous conseille de lire ce qu'il écrit sur LinkedIn. De Vailly, c'est un grand monsieur, quelqu'un qui a survécu à un accident de voiture terrible et qui s'est repris, notamment en écrivant des articles sur la transition énergétique. Et il nous avait challengé à Bordeaux. Il nous avait dit « Je peux démontrer que la totalité des problèmes énergétiques sur Terre pourrait se résoudre aujourd'hui uniquement, le défi, avec des technologies qui datent d'avant 1914. » Vous y croyez à ça ? Pardon ? Comme Tesla, absolument, bah les moteurs qui sont dans une Tesla datent de 1896. Ils ont été brevetés à cette époque. Les matériaux ne sont pas les mêmes, mais le moteur, le principe, le brevet datent de cette époque. Et il avait dit, la meilleure façon de stocker l'énergie, c'est très simple, vous comprimez un gaz. C'était connu dès le 19e siècle. Comprimer un gaz est une des nombreuses solutions qui existent pour stocker de l'énergie. Et donc, quand on a un réservoir d'air comprimé dans certains véhicules, on peut effectivement accumuler suffisamment de kilowattheures pour pouvoir faire tourner ce véhicule. C'était quoi l'autonomie, Gunther ? 100 km. Et vous savez combien de temps ça prend pour recharger la bagnole ? Attends, fais-leur deviner. Fais-leur deviner. À votre avis, combien ? Ah, carrément. Alors, c'était ça, entre 30 secondes et une minute. Ok, je croyais que ça allait les challenger. Non, boum, en 30 secondes, une minute, vous faites le plein. Alors, vous connaissez l'entreprise ? Vous la connaissez ? Non. Qui connaît l'entreprise MDI ? 1, 2, 3, bah une 50%. Mais c'est une entreprise chez vous. Hein. C'est une entreprise c'est chez vous. C'est très important que vous connaissiez quand même les opportunités que vous avez chez vous. Et leur modèle d'affaires est assez innovant parce qu'ils disent s'il y a quelqu'un qui est prêt de fabriquer
sans bagnole, eh bien, on vous donne tout pour que vous puissiez produire chez vous. Alors, les voitures, on n'a jamais pensé de faire un petit assemblage chez vous dans le garage. Mais ils ont développé le modèle négoce. Et moi, j'ai lancé le défi sur l'île Eliéro, où nous souhaitons remplacer quand même 6000 voitures avec 2000 voitures. Eh bien, j'ai lancé le défi. Faites-moi la proposition pour 200 voitures. Elle fait quelle taille, Eliéro ? Oui, on applaudit. Le plus important pour des innovateurs, c'est d'avoir un client qui insiste qu'il veut acheter. Et c'est dans cet esprit-là que je crois qu'une proposition de l'équipe des MDI nous donnera une grande opportunité de transformer la réalité de notre monde. Ce n'est pas la voiture électrique seulement qui va transformer la mobilité. On a besoin d'autres éléments. Et c'est ça ce que j'aimerais bien partager pour terminer un peu notre découverte. C'est, je travaille sur cette île Eliéro. C'est une île qui est quand même une petite île dans les Canaries. Et c'est une île qui a décidé de devenir la première île du monde autosuffisante en poissons, en viande, en eau, en énergie. Et bien entendu, la mobilité fait part de leurs objectifs. Cette stratégie fut développée pour pouvoir motiver des jeunes de revenir, de laisser tomber Barcelone et Madrid et de quand même de se réjouir d'avoir le bonheur sur une île où on fait des choses qui sont quand même des primeurs dans le monde entier. Et alors, une de ces grandes initiatives, c'est effectivement de remplacer le parc des voitures, 6000 voitures, et de les remplacer avec des voitures beaucoup plus écologiques. On avait toujours le rêve d'y inclure des voitures à l'air comprimé. Je n'avais jamais le rêve, moi, de pouvoir le faire avec des voitures qu'on fasse l'assemblage local. Alors là, j'ai dépassé mes rêves. C'est aujourd'hui, j'ai pu dépasser mes rêves grâce à MDI. Mais ça veut quoi dire? Notre but est quand même d'éliminer les voitures qui ne sont pas nécessaires. Alors on a monté toute une sorte d'incentives, incentives. Des incitations. Des incitations pour motiver les gens. Et une de ces incitations, c'est que si vous achetez une voiture à 3 personnes, vous recevrez une remise de 60%. Ce n'est pas que chacun reçoit 20%. Non, non, non. Vous trois, vous mettez ensemble et vous recevrez une remise de 60%. Alors, le prix qu'elle m'a donné, ça veut dire qu'on va payer peut-être 1 500 euros pour avoir une voiture à air comprimé. Et la technologie viendra d'ici. Alors, applaudissons quand même, c'est vous ! C'est quand même, ce sont des découvertes qui sont si motivantes et c'est la raison pour laquelle nous sommes très clairs. Nous sommes très clairs que, avec toutes nos connaissances, avec toutes nos expériences, nous venons ici et nous sommes très modestes pour vous dire, oh, on apprend beaucoup. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup. Vous avez donné beaucoup chez vous, à nous, et nous allons être les ambassadeurs. Tout le monde qu'on rencontre et qu'on souhaite quand même que le monde connaisse, on immédiatement fait l'interview, nous allons le mettre sur notre réseau, on va le distribuer le monde entier parce qu'on souhaite que la super France se fasse. Et la première chose qu'il faut avoir, que vous saviez, que l'ignorance est éliminée, parce que nous sommes trop ignorants. MDI, ah, je n'ai pas encore vu ça. En savoir plus, tu fais clic. Notre vision, fondateur et visionnaire, leadership, les voitures, ben voilà, vous voyez, vous allez faire la découverte vous-même. Mais nous avons quelques invités extraordinaires ce soir. Effectivement, sur cette étape en particulier, 2 personnes nous ont fait l'honneur de nous rejoindre, en plus, bien entendu, de toute l'organisation qui a été, j'insiste, excellente, et de la Schema qui nous a offert cette belle salle, avec cette acoustique impeccable, on a une salle presque neuve. Eh bien, c'est un écrin idéal pour les 2 invités à qui je demande de venir sur scène. Nous avons Lisa Azuelos, réalisatrice notamment du biopic de Dalida, mais d'autres films plus accessibles comme LOL notamment, dont Rodolphe a fait remarquer que c'était un palindrome, je vous laisse méditer là-dessus.
Elle aurait beaucoup de choses à vous apprendre en management. Elle a dirigé Miley Cyrus. Si vous pouvez diriger Miley Cyrus, vous pouvez diriger une boîte du CAC, croyez-moi bien. Et elle le chie Khaled Bentounes, qui est conférencier, auteur, fondateur des Scouts musulmans de France. Ah, oui. Ah, je suis désolé. Je veux bien le laisser passer. Photographe. Photographe, vous êtes à côté du VIP. Photographe, voilà. Vous bloquez la sortie de notre... Alors, merci. J'aimerais bien surtout reconnaître Khaled Bentounes, le chir Khaled Bentounes, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait connaissance avec Idriss. Oui, il y en a un autre. Khaled Bentounes qui m'a dit un jour, il faut que tu connaisses un jeune homme, il faut que tu parles, tu prends un peu de temps pour parler, pour travailler avec Idriss. Eh bien, je te suis reconnaissant pour le reste de ma vie pour avoir eu cette gentillesse de m'introduire à un homme si extraordinaire comme Idriss. Et je crois que c'est ça ce qui est très important. En plus, l'idée de Tour de France est née grâce aux travaux pour la paix que Khaled Bentounes, tu œuvres pour ça depuis des décennies, depuis, je crois, de ta naissance. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est toi qui m'as enseigné en 2014 qu'il faut faire le tour, il faut aller visiter les gens, il faut faire le dialogue. Et c'est grâce à lui, j'ai rencontré Idriss, mais grâce à lui que j'ai eu l'idée de ne pas seulement accepter un déjeuner ou un dîner, mais de faire Tour de France. Je te remercie. Merci à toi. Merci à vous. Mais cet auditoire ne te connaît pas, hein. Le problème, c'est que moi, je fais partie de ceux qui travaillent, c'est pas dans l'ombre, mais qui travaillent, qui souhaitent faire, contribuer, mais de rester plus ou moins... Dans l'obscurité. Non, c'est pas dans l'obscurité, mais j'ai trop peur de mon ego et je connais mes insuffisances et mes limites. Donc, pour ne pas tomber dans l'arrogance, pour ne pas tomber dans ce moi-je qui peut tout abîmer. Là, cette soirée, cette rencontre, ce dialogue, cet échange, et c'est toutes ces perspectives qui naissent l'une après l'autre, en partant pour moi du plus subtil qui est l'abeille, et vers le problème de la voiture qui est une calamité. Et trouver des solutions avec des rencontres, une simple rencontre en une journée, remonter le moral et sortir de ce pessimisme, sortir de cette hantise d'un avenir négatif. C'est vrai, quand il parlait de 2014, on avait lancé la flamme de l'espoir. On avait une idée avec des jeunes, eh bien, de demander à l'organisation des Jeux Olympiques de nous prêter le flambeau de la flamme olympique. Et il a fait, effectivement, le tour de la France, 25 villes, entre les jeunes, pour redonner de l'espoir aux jeunes, et en même temps aux plus âgés, aux personnes... Ah, je dirais de... Comme toi et moi. Voilà. Voilà. On en parle tellement aujourd'hui, et surtout le coronavirus nous a mis en vedette aujourd'hui. Et ça a marché, parce que dans plusieurs villes, cette rencontre s'est faite avec les anciens, entre les jeunes et les anciens, dans des quartiers, et surtout les quartiers qui étaient qu'on appelle toujours des ghettos aujourd'hui. Et on est allé passer par la Côte d'Azur. Et à cette occasion, Gunther était présent. Et à Sophia Antipolis, on a réuni ces jeunes pendant toute une journée. Et il leur a fait l'expérience, je me souviens, comment fabriquer l'électricité à partir des bananes. Je n'en parle pas ce soir. Mais c'est pour vous montrer comment se tissent les liens. Et ce que je souhaite pour cette rencontre, c'est que nous repartons avec une vision nouvelle, que nous sommes un corps, que l'humanité, que nous puissions partir avec cette image,
Oui, c'est Super France. Mais il faudrait rajouter, peut-être, c'est Super Humanité. L'élargir à l'ensemble de l'humanité. Parce que nos problèmes ne sont pas à résoudre uniquement au niveau de la France. Vous avez juste en face un continent qui s'appelle l'Afrique, qui est parti à la dérive. Alors imaginez que tout ce qui peut être développé ici et peut être profitable à l'ensemble de ces êtres humains, on aura moins de personnes qui meurent tous les jours en traversant la Méditerranée. Et c'est se rendre compte que nous sommes tous une cellule d'un même corps. Et ce corps s'appelle l'humanité. Si chacune de nos cellules puisse travailler pour son bien-être et pour le bien, et en sachant que son bien-être dépend du bien-être du corps tout entier. Donc tout ce qu'on fait pour soi, le partager avec l'autre, là, c'est de vivre réellement en conscience, dans un état de conscience, que ce que je fais, je le fais pour moi, parce qu'il me donne du sens à la vie, il me nourrit, mais il peut aider l'autre et apporter une solution à l'autre. Et je crois que c'est de ce message qu'on a besoin. Je vous remercie beaucoup. Ça fait du bien. Je n'étais plus à Sophie Antopoulos dès cette rencontre avec les jeunes en 2014. Mais comme toujours, quand on fait ces voyages, on rencontre des personnes qu'on ne connaissait pas. Et finalement, on se tombe sur des personnes extraordinaires. Lisa vient d'écrire un excellent bouquin que je vous recommande, La vie en ose. Parce que c'est vraiment ça le sujet, on n'ose pas assez. Gunther dit qu'on ne prend pas assez de risques, qu'il veut des faiseurs et pas des diseurs. Il faut oser. Ces mises en relation étaient une forme d'oser. Mais toi, évidemment, dans ton domaine, d'ailleurs, si tu peux aussi nous raconter juste un peu ton histoire, comment t'es passé de la pub au cinéma et comment personne t'a vraiment aidé ou prise par la main, que t'as osé t'imposer dans ce domaine où, a priori, tu partais pas gagnante. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai fait des études de marketing et de finance, donc j'aurais tout à fait pu être dans une école comme ça. D'ailleurs, j'aurais rêvé d'être dans une école comme ça, parce que j'ai une maîtrise de gestion et de finance à Dauphine. Et j'ai très vite vu que les perspectives de travail qui s'offraient à moi après un tel diplôme n'allaient pas du tout convenir à mon besoin de sens. Autant je pouvais gagner de l'argent, autant je me suis rendu compte que gagner de l'argent n'était pas ce qui pouvait mener ma barque et ma vie. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir le courage de quitter la bourse. J'ai surtout eu la chance qu'il y ait un krach boursier, ce qui motive à quitter la bourse très vite, en fait. Et à me rendre compte que finalement, il n'y avait pas tant de professionnels que ça, puisqu'ils ont tous perdu beaucoup d'argent. C'était en 88. En revanche, donc, j'ai eu le courage d'aller sur les tournages, porter des poubelles, porter des cafés, porter je ne sais plus trop quoi, des bouts de caméra, des bouts de fil, des bouts de n'importe quoi, mais pour faire des films, et c'était ça ma passion. Et puis, il y a un moment, j'ai été rattrapée c'était en 2014 aussi, où, en tant que femme, je me suis rendu compte qu'on avait une journée qui était la journée de la femme. Vous avez beaucoup lutté pour avoir la journée de la paix. Et puis là, moi, je trouvais cette journée de la femme ridicule parce que je me disais, c'est fou quand même qu'il n'y ait qu'une journée pour la femme. Bon, ça en laisse 364 aux autres, donc, et ce n'est pas beaucoup pour 50% de l'humanité. Et en fait, j'étais un petit peu en colère contre l'écologie au début parce que je me disais, tout le monde parle d'écologie, mais personne ne parle d'écologie intérieure finalement. Et je vous rejoins tout à fait quand vous dites les cellules du corps, c'est par là que démarrent tous les rapports humains et tous les rapports économiques. Et bizarrement, c'est toutes les actions pour le féminisme et aussi pour la jeunesse que j'ai pu faire qui m'ont ramenée à l'écologie, parce que j'ai, notamment au moment de l'affaire Weinstein, j'ai été voir le documentaire d'Harvey Weinstein en salle. Et je me suis rendu compte que tout le monde le pointait du doigt comme vraiment un être atroce.
mais que personne ne pointait du doigt le système qui avait fait de lui cet être atroce et qui avait profité et dominé des êtres sans consentement. Et soudain, je me suis dit, mais il y a une injustice à pointer du doigt un homme comme si ça allait laver tout un système de la domination sans consentement. Et tout à coup, je me suis rendu compte que dans le mot consentement, ce n'est pas qu'un mot sexuel qui doit être utilisé que dans les rapports entre les hommes et les femmes, ou en tout cas dans les rapports sexuels entre les gens. Je me suis rendu compte que l'économie entière était basée finalement sur une pénétration sans consentement. C'est-à-dire que la colonisation, aller chercher du pétrole, des minerais, on va forer, donc c'est bien une pénétration des sols sans leur consentement, sinon on n'aurait pas les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui. Les marchés, on les pénètre sans consentement, ça se dit, c'est-à-dire grâce à la publicité, au marketing, on pénètre des marchés et ça ne gêne personne. Si on est obligé d'avoir de la publicité et du marketing, c'est donc qu'à la base, ils ne sont pas hyper consentants, sinon on n'utiliserait pas tout cet argent. Et puis évidemment, on parle aussi des salaires, parce qu'on ne peut pas dire que la plupart des salaires du monde, et notamment depuis les années 80-90, où on va délocaliser les salaires pour trouver de véritables esclaves, ce soit des salaires de consentement. Et je me suis dit finalement, tout notre programme économique, ce qu'il y a à mettre en face du mot consentement, finalement, c'est le mot profit. C'est sur cette notion-là que j'aime bien partager, notamment dans une business school. Moi, j'ai beaucoup appris comment faire du profit, mais j'aimerais bien qu'on utilise un terme que j'ai inventé, qui serait le profit, mais PHI à la fin. Parce que ce serait le nombre d'or du profit, et ça mettrait en rapport justement cette économie bleue, cette économie symbiotique. Et ce serait vraiment, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et malheureusement, pour l'instant, ça se résume presque à un problème comptable. Donc voilà, c'est un appel à tous les comptables de France. Si vous avez une solution pour faire du profit PHI et qui puisse permettre vraiment une vraie évolution du consentement économique, parce que le consentement doit être partout, et je pense que c'est intéressant de relier ce mot de consentement au mot d'économie. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est une demande légitime. Merci beaucoup, Lisa. Nous est un grand honneur que vous nous avons pris le temps de venir. Nous avons très peu de temps, mais il y a quand même quelques minutes. Absolument. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous souhaitez prendre l'initiative? Alors, monsieur là-bas, on a un micro pour lui. Bon, on peut amener le micro, ça ira plus vite. Parce que c'est si plus on a vite temps, que vous. Ouais. Venez ici, monsieur. Venez, on vous venez amène ici, le micro. Parce que comme ça, vous êtes dans la caméra. Ah oui, bon. Les gens peuvent vous reconnaître. Alors, le Mike. Ouais, voilà. C'est Mike. Voilà. Bonsoir Mickey. À tous. Voilà, je vous demandais par rapport à votre expérience en Colombie. Moi, j'ai vécu beaucoup en Asie. Et en fait, c'est vraiment les aventures de l'âge perdu, le temple maudit. Mais malgré tout, il y a des fois, je me disais, mais c'était plus facile. Par exemple, j'étais sur un projet aux Philippines. J'allais expliquer à Idriss, là, avec mon copain de Saint-Brieuc, là, David. Et en fait, on a enchaîné aussi à développer une communauté de gamins pour développer des jeux vidéo. Parce que le jeu vidéo, c'est l'avenir. C'est le 3D, c'est l'éducation. C'est le marketing, c'est le futur. Et alors, en fait, ça marchait assez bien. Et après, quand je reviens en Europe, moi, j'habite à Londres en ce moment, et des fois, j'allais dans les écoles et ils n'allaient pas très au point, en fait. Et moi, j'avais simplement fait leur apprendre comment on fait créer un jeu vidéo, parce qu'il y a des logiciels que même vous ou un gamin, il peut apprendre à coder sans coder. Je vais vous dire vous avez donné l'impression qu'en Colombie, ça a été plus facile qu'en Belgique, peut-être. Qu'est-ce que ça a donné? Ah bon, les Belges, vous savez, avec les Belges. Hein, moi, je suis belge, pour ceux qui ne savent pas. Alors, je crois qu'il y a un élément important qui est aussi au cœur du Tour de France. Nous souhaitons partir avec nos initiatives dans la périphérie. Nous croyons que tout changement, toute transformation fondamentale est difficile au centre du pouvoir.
Et effectivement, ouais. En Colombie, on n'est pas au centre du pouvoir mondial. Ben, Sophie, on te peut dire, on est au centre du monde, centre du pouvoir, je crois pas. Ah, écoute, ils vont t'en vouloir d'avoir posé cette question parce qu'elle elle suppose qu'il y a un doute. Mais on a vraiment insisté pour contourner Paris au lancement de Super France parce que le changement vient de vous, vient du peuple et vient de ces projets comme ça, sans avoir à passer effectivement par le comité central du parti, pardonnez-moi. Alors, qui est ici de Paris ? Vous voyez, les Parisiens viennent. Ce sont les meilleurs Parisiens qui viennent. On a même un Berlinois qui est venu nous rejoindre aussi. Mais je crois que c'est ça important. Le message, c'est que si vous voulez vraiment innover, vous voulez vraiment changer les règles du jeu, ouais. Eh bien dans ce cas-là, vous allez à la périphérie. Ouais. Et vous ne le faites pas au centre. Moi, c'était en pleine campagne et tout. C'était des jeunes là. Plus près du micro. Les jeux vidéo aussi, il y a des défauts. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont des addictions du jeu. Alors moi, ce que je faisais en même temps... Bon, déjà, ils me demandaient toujours du pognon et tout. Alors, moi, avant, je leur demandais du pognon avant. Et c'était rigolo. J'avais un copain qui était dans l'ONG. Il me dit, oh, Mike, c'est super. Moi, j'arrive même pas à faire comment tu fais et tout. Et alors, voilà, je leur faisais du sport en même temps. Oui. Moi, je faisais des compétitions de jeux vidéo en graphic design et en code et aussi de les cordes à sauter. Nous avons encore 2 minutes. Voilà. Nous souhaitons encore. Merci beaucoup pour vos observations. Mais nous souhaitons encore. Applaudissons. Nous souhaitons encore avoir une question, une femme, une fille, une jeune, quand même, pour l'équilibrer. On coche les cases. Ouais, osez, justement, là, le bouquin de Lisa Azuelos, c'était pas une femme, je crois, même si aujourd'hui, on peut se poser la question. Et moi, dernière question. Nous c'était pas une question, c'est plutôt une initiative, et du coup, j'en profite s'il n'y a pas de question. Okay. C'était simplement, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Mike, si on peut en fait continuer aussi ces dialogues et ces rencontres, peut-être via les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on veut. C'est déjà... Mais en fait, c'était une demande aussi à vous et aux organisateurs d'avoir les contacts, de transmettre les contacts des personnes qui ont pu présenter aujourd'hui. C'est prévu. Pour créer un groupe, je ne sais pas, un groupe Super France, voilà, Apolline. Sophie Antipolis. Alors, c'est le but. C'est exactement pour ça qu'on est là. Apolline, si tu veux bien. On a mis en place la plateforme Discord, ce qui nous permet de recenser toutes les personnes qui souhaitent participer au projet, qui sont intéressées par ces initiatives. On a aujourd'hui près de 2000 personnes qui sont sur Discord et qui discutent entre elles de l'organisation des étapes futures, des projets qu'ils souhaitent mettre en place. C'est vraiment à cet endroit que ce sera le mieux pour communiquer entre vous. On ne peut pas, bien sûr, communiquer toute la database des gens qui ont participé aux sessions, ce n'est pas le but. Mais vous parlez de suivi de projet également, ce qu'on met en place. Et je vous invite, bah, du coup, si vous êtes intéressé à un des projets qui a été présenté, SkyCell, le LIFI, les champignonnières, etc., à vous inscrire sur la page des défis. C'est vraiment des projets qu'on présente à chaque étape et on souhaite qu'il y ait le plus de personnes sur chacune des étapes qui s'engagent pour mettre ça en place ou au moins avoir les informations, suivre les formations auprès de nous pour avoir les clés en main pour pouvoir mettre ça en place à votre échelle locale. Et donc, si vous êtes intéressé par un de ces projets, sur cette page des défis Super France sur notre site internet, vous pouvez nous laisser nom, prénom, adresse mail et le projet qui vous intéresse le plus. Même vous pouvez en mettre plusieurs. Et à partir de 12 personnes intéressées sur une même étape, on peut revenir avec les experts pour faire une formation en présentiel. Et puis pour les autres projets, si jamais il y en a certains qui sur plusieurs étapes n'ont pas assez de personnes intéressées, on fera des webinaires, des vidéos, etc. pour vous permettre d'avoir le maximum d'informations. C'est vrai que c'est un petit peu à chaque fois frustrant et on n'a pas forcément le temps dans ces conférences, dans toutes les sessions, de détailler au maximum ces projets. Mais ainsi, vous pourrez avoir toutes les bases pour les mettre en place. Donc, ce n'est que le début. Toutes les mailing lists seront communiquées et vous pourrez bien entendu organiser des chapitres Super France dans vos régions et vos départements. Gunther. Alors, moi, je propose à Nicolas Servelle, quand même, vous étiez notre hôte aujourd'hui. Si nous avançons avec les programmes de formation, on le peut le faire ici en partenariat avec vous ? Je pense qu'il n'y aura pas de souci. J'ai besoin de oui ou non. Excusez-moi. C'est un bon négociateur. Hein. C'est un très bon négociateur. Et là, je suis devant une salle. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je l'interprète. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est oui. Hein. C'est oui ou pas, à votre avis ? C'est oui ou non ? Merci à la Schema. Tout le monde porte les masques, on va avoir la distance sociale, etc. Ne vous inquiétez pas, on va être très sérieux. On croit quand même beaucoup en la science aussi, malgré le fait qu'on soit dans une école de business et dans l'avancée que la science peut
Et donc, je suis convaincu que d'ici là, le Covid sera fini, ce sera une histoire du passé. Et voilà. Mais Nicolas, pour nous, c'est pour la création des entreprises. Notre but, c'est qu'il y a des initiatives qui sortent ici, qui génèrent de l'emploi. Et pour générer l'emploi, on a besoin des plus-values. S'il n'y a pas de plus-values, il n'y a pas de négoce. Alors, c'est dans ce esprit, imagine, incubate, accelerate. Alors, on le fait ensemble. Il y a tout ce qu'il faut. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci. Vous avez encore la possibilité de goûter le café solide. Je vous dis, c'est mon dada aujourd'hui. C'est mon dada. Bientôt mycorhizé, absolument. Bah oui. Mais le dada, parce que je, pour la première fois, je travaille depuis 25 ans avec les caféculteurs et pour la première fois, je vois la possibilité de payer 5 fois plus, pas parce que je suis généreux, mais parce que j'utilise la totalité, ce que la nature nous offre. Et je crois que ça doit être symbole de notre négoce. On ne demande plus à la terre de toujours produire plus, nous faisons beaucoup plus avec ce que la terre nous produit. Merci, bonne soirée et à bientôt. On sera à côté en séance de dédicace jusqu'à 45. Il faudra, pour les raisons de sanitaire, que le bâtiment soit évacué à 19h45 pétante. Nous, on est à côté jusqu'à 19h40 pour dédicace, présentation du Coffee Pixel, ce café solide. Et le Capitaine Quest, la bande dessinée du Tour Super France. Merci à vous. Si vous achetez le Coffee Pixel en boîte, je vous donne mon livre Blue Economy gratuit. Il est bon, hein ? Il est bon, hein ? Pas mal, pas mal. Hein. Nous sommes ici pour changer les règles du jeu. Nous ne sommes pas là pour suivre les règles. Parce que la seule manière d'avoir la preuve que l'entrepreneuriat a eu un résultat, c'est que les statistiques changent. Le développement territorial que nous cherchons, il faut que l'argent circule localement. Et le pire, c'est que les Français sont des spécialistes de ça dans la recherche fondamentale. Pas sur le plan industriel, mais nos laboratoires sont parmi les meilleurs au monde en France sur les géopolymères. Et c'est la vraie découverte de l'entrepreneur, c'est de découvrir qu'est-ce que j'ai disponible. Quelque part dans le monde, si vous avez trouvé la solution à un problème, comme on est 7 milliards d'habitants sur Terre, il y a très forte chance que si vous avez trouvé une solution à vos problèmes, il y ait d'autres personnes dans le monde qui aient les mêmes problèmes. Et c'est là que l'espoir commence à exister. Si c'est possible, faites-le. Si c'est impossible, ça prend un peu plus de temps. Parlez-nous de vos problèmes. Et je vous donne la parole.